Il est presque 23h. Je viens de me poser sur un spot. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je suis pas très loin de Bonifacio. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris un sentier qui avait l'air de longer la mer. J'entends le bruit des vagues. Donc à mon avis, je dois pas être trop mal mis. Voilà. Au réveil, mes journées se dressent. Vierge, désireuse, offerte en page blanche. Et j'en ai par dizaines en réserve dans mon magasin. Chaque seconde d'entre elles m'appartient. Je suis libre d'en disposer comme je l'entends, d'en faire des chapitres de lumière, de sommeil ou de mélancolie. Et le chapitre qui s'écrira aujourd'hui, sur la 1141e page de ce voyage, s'annonce bien lumineux. On est le 7 octobre. Et dans quelques heures, mes parents fouleront pour la première fois le sol de Corse. J'ai 2 semaines. 2 semaines pour partager avec eux un bout de ma vie ici. 2 semaines pour leur transmettre mon émerveillement et briser l'espace de 2 semaines l'absence que je regrette parfois de leur infliger. Le soleil est levé, c'est le moment de vérifier si le spot était le bon et je pense qu'on ne s'est pas vraiment trompé. Après une délibération difficile, le jury a décidé de valider ce spot. C'est la maison de qui? Sinon, vous êtes prête à faire une promenade? Enfin, prête. Honnêtement? Oui. Non. Et est-ce que tu étais prête à vivre sans réseau téléphonique? Non plus, mais ça va. Et est-ce que tu étais prête à dormir avec ta mère? Non. Non.
À bord d'Edgar, on sillonne la Corse du Sud qui nous dévoile ses contrastes. Entre plages et montagnes, entre mer et rivière, entre baignades et randonnées, entre la fraîcheur d'un automne qui arrive et la douceur réconfortante d'un été qui s'achève. Alors, vos impressions ? Le chapitre qui s'écrira aujourd'hui, sur la 1154e page de ce voyage, s'annonce mélancolique. On est le 14 octobre, et dans quelques heures, mes parents quitteront le sol de Corse. 2 semaines. J'ai eu 2 semaines. 2 semaines trop courtes, certes, mais 2 semaines intenses. Aujourd'hui, c'est à mon tour de les laisser partir. Mais demain, une nouvelle journée se dresse, vierge, désireuse et offerte en page blanche.